Allô ? Alors ? Un indice ! Oui, un indice. Alors, l'indice, c'est MacFormers. Tu connais les MacFormers ? Quoi ? C'est quoi ? Les MacFormers. MacFormers ? Allô les petits copains. Coucou les petits copains. Hello Athéna, coucou, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui nous sommes dans notre magasin de jouets préféré, le plus grand magasin de jouets de Paris, qui est Jouet Club. Et on va se faire une partie de cache-cache avec les montres. Voilà vos montres Kiwi que vous connaissez bien si vous regardez les vidéos régulièrement. Et en fait ça permet de s'appeler entre vous. Et ce qu'on va faire, c'est un cache-cache. Et on va se cacher dans la partie que vous voulez, c'est un Jouet Club qui est immense, il y a plein de petites maisons si vous connaissez. Et en fait vous allez où vous voulez, moi je vais rester avec Athéna bien sûr, autant pour chercher que pour me cacher. Et toutes les minutes ou toutes les deux minutes, celui qui cherche a le droit d'appeler celui qui est caché pour demander un indice. Voilà, donc il ne faut pas donner un indice trop facile, sinon on va trouver tout de suite, donc c'est pas évident. Chacun notre tour, d'abord nous on va se cacher, après ça sera Calice, et celui qui aura trouvé l'autre le plus rapidement aura gagné cette partie de cache-cache ici à Jouet Club, ok? Ok. Vous avez tout compris? Ouais. J'ai envie de tout mettre en rond. On va y aller, Athéna. Alors on y va les filles? Oui. Attention Athéna, on va se cacher. Calice, tu comptes jusqu'à 60 secondes, 20 minutes. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, tu comptes jusqu'à 60. On va se cacher Athéna. On va se cacher où? Il y a plein d'endroits où se cacher, c'est très très grand. Ils ont changé tout. Avant c'était la maison des tout petits, maintenant c'est la maison des loisirs créatifs avec notamment les créapates. La maison des tout petits est ailleurs. Là il y a la maison des poupées. Tu vas aller où dans la maison des poupées? 4, 3, 2, 1, enfin! Tiens, va te cacher là plutôt. Tu peux jouer un petit peu ici. Okay. Je vais te surveiller, ça arrive. Elle appelle, on va donner un indice, d'accord? Qu'est-ce qu'on va donner comme indice? Hey, tu peux donner ça comme indice? MacFormers. Donc là, Calice est en train de nous chercher. J'ai cru que c'était elle, mais non, c'est pas elle, c'est un autre enfant. Tu as pris telle boîte. C'est joli ce que tu fais. C'est peut-être caché avec les créapates. Ça, on en a déjà en fait. Je me donne un indice. Ouais, c'est bon, tu peux te taire maintenant. Ah, voilà les créapates. Bah, vois avec Tommy. Elle a toujours pas appelé. Paul, tu vas aimer. Non. C'est pas là. Donc là, on est caché dans la maison des Legos. Pour l'instant, on n'a toujours pas appelé. Ouais, elle aime bien chercher, elle veut pas d'indice tout de suite. Oh, c'est sympa ça. Des Legos qui s'allument. Ça y est, elle m'appelle. Ah, attention. Ah, ensuite, on a fait appel terminé. Elle m'appelle sur son portable. Allô? Alors. Un indice. Oui, un indice. Alors, l'indice, c'est MacFormers. Tu connais les MacFormers? MacFormers. Oui. MacFormers, tu connais les aimants? Ah oui. Allez, tu as une minute de plus. C'est parti. Alors, en attendant, on va regarder ce qui se fait au niveau des Lego. Lego Duplo. Disney. Lego Earth. Attends, non, attends, non, cache-toi. Là. Il y a trois possibilités. Soit c'est ici. Soit c'est le magasin principal, soit c'est le magasin de société. Go Junior Incredibles 2. Ah là là, ça va être top ça, vivement qu'il sorte au cinéma. Attends, j'ai mal tourné. Super Sand, youhou. Creative Pack, il y a plein de Lego maintenant qui sortent de différentes marques. Puisque ça y est, le brevet est passé au niveau du délai. Donc maintenant, n'importe quelle marque peut faire des Lego. On pourra faire des Lego sur du Bobby.
Elle nous a toujours pas trouvé. On va battre leur corps, hein. Hop, hop, hop. Je me cache toujours. Lego Ninjago. Lego Speed. Lego Star Wars. Lego Ideas. Ah oui, c'est la maison du pêcheur. Super Heroes. Ok. Ils sont forts, Lego. Ok. Gagné. On est super bien caché. Qu'est-ce qu'on donne comme deuxième indice? Ma Lego. On a qu'à donner. Oh, Lego, c'est un peu gros comme indice. On peut dire. Briques. Elves. Je vais rappeler. Ah, cache-toi, cache-toi. Ah, ça y est, elle appelle. Regarde, deuxième indice, on fait quoi? Briques ou elfes? Elfes. Coucou. Coucou. Alors. Un indice. D'accord. Alors, comme indice, on donne quoi là? Elfes. Elf, oui. En anglais, c'est elves. Ouais, d'accord, je crois que je sais. T'as compris l'indice? Ouais. Ok. Bon, ça y est, deuxième indice. Regardez. Ah, bah voilà, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Il est là. C'est son sac. Il est là. Ah, t'as tout de suite trouvé avec l'indice elves. C'est Lego Elf, bien sûr, on voulait pas dire Lego. Bravo! Où est-ce qu'il est, Elf, en fait? Ah, t'as fait quoi? T'as fait plusieurs maisons? T'as tout fait? Ouais! C'est vrai? Ah, là! Y'a que Lego que t'avais pas fait? Ouais. Non, j'ai pas fait les déguisements non plus. Alors maintenant, ici. Alors, je sais pas combien de temps ça a mis, en fait. Ça a mis un petit moment, hein. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est vous qui nous direz en commentaire qui a gagné, ça sera plus simple. Parce qu'en fait, on n'a pas trop de notion de temps une fois qu'on est caché. On a dû mettre un quart d'heure à peu près, mais on ne sait pas trop. À la seconde près, on n'a pas chronométré. Donc, c'est pas grave. Le seul, c'est de se faire plaisir. Calice, toi qui vas être caché. Et nous, on va compter avec Athéna. On va te laisser une minute. D'accord. Et après, eh bien, on va te chercher. Et on t'appellera sur la montre pour avoir des indices au fur et à mesure. D'accord. Alors, attention. Tu sais où tu vas te cacher? Ouais. Alors, attention. 3, 2, 1. Tu as une minute pour y aller. Et je t'appelle dans 3 minutes à peu près. Si on veut. Alors. Donc à 3 minutes 57, ils viennent me chercher. Mais je sais où je vais me cacher. Elle va se cacher où? Et moi je pense qu'elle va essayer d'aller dans un endroit où elle n'a pas l'habitude d'aller. Peut-être dans la maison des tout petits. On peut essayer dans la maison des bébés? Parce que là c'est vraiment pas un endroit où elle a l'habitude d'y aller. Et en passant on ira voir les crapates. Alors il reste encore 25 secondes. En tout cas, c'était sympa de se cacher ici. Dites-nous si vous aimez bien ce concept de se cacher, de se retrouver avec les montres Kiwi. Au début, on voulait le faire avec la géolocalisation, mais c'était pas assez précis au mètre carré. Donc, attention, il reste 4 secondes. Athéna. 2, 1. Ça y est, ça fait une minute, on peut y aller. C'est parti. Il y avait deux minutes après que j'ai compté jusqu'à 60. Bibi-mibou. Dans le magasin Jouet Club, le plus grand magasin de jouets de Paris. C'est pas rien. Allez, on va commencer ici, on va aller voir notre crapate. Ça se trouve, elle est cachée par là en plus. Je pense pas. Je pense vraiment pas qu'elle soit par là, c'est trop près. Alors, voici les rayons des pâtes à modeler. Tiens, là. Ça y est. Les crapates sont ici à partir de 4,99€. Alors on cherche Calice. Bonjour. Calice. Déjà? Non mais. Ah, c'est incroyable. Oh, t'as pas été loin. Tu veux recommencer? Ok. Alors attention, on fait la deuxième manche. Et c'est Calice qui va commencer à se cacher. Ouais. Attention, 3, 2, 1, et c'est parti. Pour jouer d'extérieur. Enfin, en ce temps-là, du coup, c'est Athéna qui joue. T'as 50 secondes pour t'amuser avec le super sound. Des brosses à cheveux, c'est Mimi ça.
Miraculous. Ah, ça cartonne Miraculous. Je pense qu'on fera une vidéo Miraculous. J'ai adoré ça. Il reste 18 secondes, 12 secondes à être là. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il neige. Et c'est parti. À ton avis, elle s'est cachée où? Oubiz. Après les orbiz, les oubiz. Elle est peut-être cachée dans les peluches. Attends, je regarde si elle est pas là. Ah non, elle est pas là. Elle est trop petite. Allez, viens. Oh, des sirènes. Après, là, il y a le côté potager. Allez, on va à la piscine. Oui. Ça va être ici, ma cachette. Être ici, ma cachette. Par ici. Regarde mon chichi. Les mon chichi figurines qui sont à l'effigie des personnages du dessin animé, parce que maintenant il y a un dessin animé mon chichi. Ah bien, on va là-haut. Je crois que là, elle est pas par là. Non. On en fait encore un et après on va l'appeler pour un premier Alice. Non, je vais aller en bas. Oh, celui-là il est grand celui-là. Oui. Je crois qu'elle est pas là. Ah oui, c'est les toutes les voitures. C'est les mêmes que ce sont les Pinado et c'est les Screechers Wild. Je te signale qu'on est en pleine partie de la super. Ah oui. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est serré. Mais comment c'est. T'as bien, elle est peut-être par là. Moi qui ai reculé, moi j'ai rien fait. On va appeler pour un premier avis, si tu veux. T'as bien. Ouais. Alors, attention. Allô, tu veux un indice? Ah oui, je veux bien un indice, Père Foura. Voiture. Voiture. Ouais. Ok, merci. Voiture, mais attends, c'est pas les voitures radiocommandées parce qu'on y est. Où est-ce qu'il y a des voitures encore? C'est là. Où est-ce qu'il y a des voitures? Attendez, il va aller m'écarter. Hé, hey, c'est pas les grandes voitures où on peut monter dedans? Tu sais, au rayon plein air. Là, je voulais aller tout à l'heure. Ouais. C'est ça? C'est ça où on monte dessus? Au premier étage? Là où il y a les nerfs? Je sais pas quel indice je pourrais leur donner après. Tu crois qu'on va la trouver? En tout cas, on rencontre plein de fans pendant notre petite partie de cache-cache. Moi, je pense qu'elle est là. Oh. Tu vois, là, il y a des voitures. Là, regarde, il y a plein de voitures là-haut. C'est pas vrai! Je suis trompé! Par fond, par fond! J'ai trouvé avec lundi, je citais une voiture, sauf une voiture où on est dedans, parce qu'au début, on était, quand on a appelé, on était aux voitures radiocommandées. Donc on s'est dit, c'est pas possible, c'est pas une voiture radiocommandée. Nous, je serais allé d'abord aux voitures radiocommandées. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Ouais, mais on y était à ce moment-là. Ah, mais bravo, parce que j'en ai mis du temps à te trouver. Hein. Tu veux le chercher maintenant ou pas? Ok. Ok. Attention, je te donne la GoPro. C'est à nous d'aller nous cacher. Et tu nous appelles quand tu veux à partir d'une minute, d'accord? D'accord. Parce que plus tu nous trouveras rapidement et plus tu as des chances de gagner. Parce que quand tu as trouvé rapidement à la première manche, quand on est à la deuxième manche, on a mis du temps. Et toi, tu as mis du temps à la première manche. Et si tu nous trouves tout de suite, tu peux gagner. Attention, à tout à l'heure. Allez, on te laisse. Tu peux compter jusqu'à 60. C'est parti. Bon, attends, on va où? On peut aller au rayon bébé, elle ne pleuvra jamais. Ah, ça c'est sympa ça. Le grand puissance 4. Elle vient parce qu'elle a fait le compteur. Ok, on va se mettre où? Dans les peluches? Ouais. Ouais. Voilà. Ici. Oh, regarde, c'est mignon ça. Speedy Balls.
J'aimerais trop avoir un hérisson. Au Québec, en fait, on peut adopter des hérissons, acheter des hérissons dans les animaleries. Non, ils sont pas là. Alors, fais voir ta montre. Une girafe. Trouvé. Comment elle a fait? J'en sais rien. Dans un lit, en plus. Oh, t'as été super rapide. T'as mis moins de 2 minutes. Ah, bravo. Alors là, franchement, je ne sais pas qui a gagné ces deux manches globales au final. Elle est là. Je vais m'abuser, mets-toi là. Mais à mon avis, là, tu m'aurais vu quand même. Bon, bah, on va voir au final qui a gagné. Mais ça va se jouer à quelques secondes près. Hein. Est-ce que ça vous a plu, cette partie de cache-cache? Mais c'était trop rapide. Ah ouais, elle était rapide là. Mais est-ce qu'elle est douée? Il suffit de bien se cacher. C'est trop court, j'ai envie de recommencer. Tu serais pas un peu grand, Calice, pour ce banc? Alors ça, c'est le banc de démonstration de Super Sand, et Athéna adore le Super Sand. Tu t'amuses bien? Okay. Je vais faire un tour, en fait. D'accord. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, nous, on a adoré le faire. Et en plus, on a fait une rencontre très sympa ici. Peut-être qu'on vous en reparlera plus tard. Voilà, c'est une belle surprise. En tout cas, bah, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur Studio Bubble Tea. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on dit, les filles? Soyez vous, soyez bien, bien. Soyez bon. Il fait bon rêve. Bravo, Calice. La 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 la